Seigneur, vous avez donc tout cet ensemble venu pour nous parler d'une maladie silencieuse qu'est le diabète. Nous avons déjà fait le dépistage grâce à l'équipe mise en place par ce club, sous la Rouge Club, et nous sommes donc à la phase de sensibilisation. Nom de toutes les nations, chantons partout l'amour. Lions nos cœurs pour n'être qu'un, par un solide lien. Enversons remparts et frontières, soulageons la misère. Comme l'a dit le directeur tout à l'heure, c'est un ensemble de clubs de Cotonou, les clubs de la zone 13, qui ont décidé de venir au sujet par ce jour pour vous sensibiliser sur le diabète. C'est quand quelqu'un ne produit pas suffisamment d'insuline pour pouvoir réguler le taux de concentration de glucose ou de sucre dans le sang, il peut faire le diabète. Parce que s'il ne régule pas, ça va augmenter et on aura un taux élevé. De la même manière aussi, quand le pancréas produit l'insuline et que cette insuline-là qui est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang, n'est pas suffisante pour être utilisée efficacement pour la régulation en fait du diabète. Est-ce que je me fais clair? Donc en fait, le diabète est une maladie chronique, silencieuse, qui peut être causée de par une faible production ou une insuffisante production d'insuline, ou l'insuline produit n'est pas suffisamment utilisée pour améliorer, pour réguler le sang, le sucre dans l'organisme. Le diabète, c'est quoi? C'est l'augmentation du sucre dans le sang, la concentration du sucre dans le sang. D'accord. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi ça arrive comme ça? Parce qu'il y a des variances au niveau du pancréas qui n'arrive pas à produire correctement l'insuline qui régule, ou il produit, mais ce n'est pas utilisé efficacement pour réguler le taux de concentration du sucre dans le sang. On est d'accord? Donc, c'est très important. Comment cela se manifeste? Selon vous, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire comment est-ce que le diabète se manifeste? Donc, il va pouvoir chercher à boire beaucoup. De la même manière, il va aller beaucoup uriner. C'est-à-dire qu'il fera une mission, n'est-ce pas, d'urine de près de 2 litres en 24 heures. Donc il sera beaucoup sollicité, il va beaucoup jouer. Et de la même manière aussi, celui-ci, ce dernier a faim. Et il mange beaucoup aussi. Et vous le voyez, il est astérique, c'est-à-dire qu'il est un peu fatigué. Et il a des présents de la maigreur. Donc il y a la maigrisson. Donc on peut résumer ça aussi en disant les symptômes clés pour que vous puissiez connaître. On peut dire que c'est les 3 P. Et les 2 A. Miction fréquente de plus de 2 heures de temps, de 2 litres en 24 heures. Ça, c'est polyurie. C'est-à-dire qu'il va uriner beaucoup de poids. C'est le premier critère. Le deuxième, on a dit qu'il a soif, polydipsie. Donc, il boit beaucoup. Et le troisième P, c'est polyphagie. C'est-à-dire qu'il mange beaucoup. Donc, c'est les 3, plus les 2 A. Astérie et amaigrissement. Si on peut garder les 5 là, c'est déjà bon. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on peut dire, on peut appeler, on peut résumer comme les symptômes. Il y a beaucoup d'autres choses. Parce qu'en fait, quand vous êtes malade et que vous ne faites pas de dépistage à temps, ça voudrait dire que si vous ne testez pas, vous n'allez pas faire le test pour savoir quel est le taux dans votre organisme, vous pouvez être malade sans savoir. Et c'est peut-être plus tard que vous allez voir que
Et ça a déjà laissé des conséquences. Le problème, c'est de faire en sorte de ne pas avoir la maladie. Et quand on n'a pas la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai parlé tout à l'heure. Je peux le résumer en une formule magique pour ceux qui connaissent. Zéro, zéro, 30 ou 5, 30. Zéro, c'est zéro table. Il ne faut pas faire. Zéro, c'est zéro à la fois. Cette tranche de fruits et légumes, ça peut être trois tranches de fruits et deux tranches de légumes. Ça, c'est la seule. 30 minutes, ça me veut dire, par jour, de façon continue, il faut faire au moins 30 minutes d'exercice, d'activité physique. Donc, voilà à peu près de façon très simple comment on peut garder ça. Donc, en fait, ce que nous allons vous demander, c'est de maintenir, disons, un train de vie ou une alimentation saine, et faire le sport, éviter d'être sédentaire, et manger équilibré, faire le sport, et dès que vous sentez quelque chose d'anormal, tout de suite. Ce problème que le pancréas a est un problème purement pathogène. Pathogène parce que c'est lié à un certain nombre de parasites, à un certain nombre de bactéries qui prennent en otage, il a parlé ici, des cellules bêta. Dans le îlot de l'engraissement, c'est-à-dire à l'intérieur du pancréas, il y a des cellules qui sécrètent. Mais quand ces cellules sont en difficulté parce que attaquées par des microbes, leur fonctionnement commence à être déséquilibré. Alors, ces microbes nous viennent souvent et généralement d'où? Je voudrais que vous gardiez cela. Très généralement, ces microbes nous viennent de la viande que nous avions mangée et qui ne sont pas bien cuites. Quand cette viande n'est pas bien cuite, il y a même des microbes qui, à 100 degrés, ne meurent pas et qui peuvent rentrer dans notre corps. Ces microbes vont loger dans ce pancréas et créer un déséquilibre. Deuxième source où nous pouvons avoir également ces genres de microbes, c'est au niveau du lait. Le lait qui n'est pas stérilisé. Parce que vous voyez, quand vous prenez la vache par exemple, on peut extraire son lait. Si la vache héberge un certain nombre de microbes, acceptez que ce microbe aussi peut sortir par le lait. Que les laits ont mis en place qui consiste à aller vers les collèges, vers les jeunes gens comme vous, pour les sensibiliser sur diverses affections à travers des graffitis. Un graffiti, c'est une grande caricature qui est faite pour illustrer quelque chose. Les grands dessins que vous voyez, on appelle ça les graffitis. Alors, le concept de la sensibilisation qui nous a amené vers vous, c'est de vous sensibiliser non seulement à travers, en faisant venir des professionnels pour vous donner des informations, comme ce fut le cas sur le diabète actuellement, mais en même temps, vous aurez aussi droit à des graffitis qui vous sensibilise sur la même affection, c'est-à-dire le diabète. Il y a au niveau de votre CEG un espace que l'administration a mis à la disposition du Lions Club pour qu'on puisse faire des dessins comme sur la place de l'Amazon. Et ces dessins vont vous sensibiliser quotidiennement sur le diabète. C'est-à-dire, chaque fois que vous venez à l'école et que vous passez par là, vous allez voir ce dessin-là qui vous édifie sur le diabète. Ce qui vous permet dorénavant de prendre au sérieux cette maladie et de faire attention pour ne pas être porteur. Nous, Lyon, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour servir la communauté. On est des volontaires. On ne se connaissait pas, ça se fait par cooptation. Mais dès qu'on
se met ensemble, on devient des amis. Donc on s'appelle chers amis. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est des lions. Et c'est des lions de la zone 13. Vous allez vous demander, mais zone 13, c'est quoi? Le Lion Club est une organisation internationale. Maintenant, dans chaque pays, il y a une organisation au niveau interne du pays, qu'on appelle le district. Donc, au Bénin, on a un gouverneur qui s'appelle William Bray, qui gère tout le district du Bénin. Maintenant, après le district, c'est divisé en régions. Il y a trois régions. Il y a la région 1, il y a la région 2 et la région 3. Dans chaque région, il y a des zones. Nous, qui sommes ici, on est de la zone 13 et on fait partie de la région 1. Vous comprenez un peu? Et la zone 13, c'est quoi? La zone 13 comporte 6 clubs lions et 3 clubs léons. Les léons, c'est nos jeunes. On est en partenariat avec eux. Ils sont avec nous. Vous allez voir que c'est eux qui ont porté les gilets bleus. Et dès qu'ils auront un âge donné, ils vont quitter cette étape-là pour venir dans nos clubs. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est des gens qui se retrouvent, qui mettent la main dans leur poche ou bien qui cherchent les ressources pour venir servir la communauté. Thank you.